Bonjour Mélie Chococrateur, c'est Lilou, je suis à Paris avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Lilou. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve. Bah moi aussi. Alors petite histoire quand même pour vous expliquer, c'est que j'avais interviewé déjà Sophie au Salon Zen de Paris et cette vidéo, impossible de la retrouver. Voilà, ça fait partie des choses, en fait il faut aller avec le flot de la vie aussi. Hein. Des fois il y a des trucs comme ça qui se passent. Merci de ta flexibilité. Ça va, t'as pas craqué par non, rapport non, à ça? Non, j'étais patiente et puis après, voilà, on se retrouve aujourd'hui. Oui, voilà. Une autre occasion de se retrouver. Complètement. Alors, le titre de ton livre, c'est « Je craque au secours, je fais quoi ?» Et c'est vrai que le titre, il est tellement parlant, surtout, peut-être pas que en tant que femme, mais c'est vrai qu'il y a ces moments où la goutte a fait déborder le vase et là, on n'en peut plus et c'est la crise. C'est le début de la crise ? Bah oui, voilà, c'est ce qui se passe. On est débordé, submergé et puis bah, on tombe, on se bloque, on arrête, on est perdu et ça va plus. Juste un petit mot sur ta formation en tant que thérapeute ou orthophoniste ou kinésiologue, c'est ça? Parle-nous un petit peu de ta formation pour voir quel élément t'apporte en fait à ce problème-là. D'accord. Alors en fait, au départ, je suis orthophoniste, il y a longtemps. J'ai moi-même des problèmes d'apprentissage, donc je me suis dit, je vais faire orthophoniste pour régler ça. Et puis en fait, j'ai rencontré la kinésiologie, qui est un travail beaucoup plus corporel, et qui m'a ouvert des portes autour de vraiment le monde de la thérapie, la systémie familiale, la psychanalyse, de l'ayurveda, du brain gym. Et dans ma pratique, en fait, où je m'attachais toujours à revenir en amont de la difficulté pour aider les gens, je me rendais compte qu'en dehors des séances, bah, ils craquent, justement. Ils ont trop de travail, il y a trop de choses, ils perdent leur rythme, en fait, de vie. Et ils m'appelaient en voulant venir plus vite à leur prochain rendez-vous. Et je trouvais que ça n'allait pas. Donc l'urgence. Hein. Mais oui, voilà. Ouais. Et en fait, j'ai compris qu'ils n'avaient aucune ressource pour eux-mêmes. Pas aucune, mais s'ils n'avaient pas une séance avec un thérapeute ou une heure complète pour faire du yoga ou du tai chi ou je ne sais pas quoi, ils n'arrivaient pas à se recentrer. Donc je me suis dit, moi j'avais plein de petits exercices et j'avais une trousse de secours pour moi en fait, que je m'étais faite, où je piochais des exercices quand ça n'allait pas, pour me recentrer ou pour parler mieux ou pour être en forme ou pour me redynamiser. Et je me suis dit, je vais partager des outils un peu réservés normalement à une certaine population ou à des praticiens, les transmettre au grand public pour aller mieux. Hein, ou aux psychologues, aux psychanalystes qui n'ont pas d'outils corporels, quoi. Il y a différentes sortes de craquages, c'est-à-dire, parce que des fois on n'a plus d'énergie, des fois on en a trop, des fois on va exploser, non, il y a différentes, on peut un peu classer ce genre de craquage. Tout se classifie, mais après les hommes et les femmes ne craquent pas de la même façon, les hommes vont contenir plus longtemps et puis d'un coup exploser, les femmes vont être un peu plus dans l'hystérie, voilà. On a ce petit côté-là, hein. Oui, on est toutes comme ça. Je sais pas, il faut faire un plancher, un périnée solide, tu sais, pour un socle, pour bien tenir et rester ancré bien là, pour ne pas monter en hystérie. Ouais. Mais on est tous différents, on n'est pas égaux devant ça. Et puis on peut craquer aussi devant un joli garçon ou une jolie fille, hein. Il n'y a pas qu'en négatif. Ouais. En tout cas... C'est une perte de contrôle, c'est ça en fait, le craquage ? Pour moi, on craque quand on ne sait plus répondre. Quand on est bloqué, quand il n'y a plus de mouvement. Pour moi, dans la vie, pour être en forme, il faut une alimentation saine et vivante. Il faut du mouvement. Alors, avoir un projet, être dans un mouvement. Il faut être avec ses émotions le plus dans quelque chose de constructif, d'agréable. Et là... ça roule, ouais. D'accord ? Le problème, c'est qu'on craque quand on se bloque, quand on se ferme, quand on ne voit plus l'issue, quand on a perdu la boussole, quand on a perdu le cap, le fil, et qu'on n'arrive plus à renouer avec sa certitude intérieure, quand on est décentré, en fait, quand on est loin de soi. Et du coup, on peut craquer parce qu'un enfant nous embête, parce qu'un patron nous demande trop, parce qu'un ordinateur nous envoie des champs électromagnétiques. On peut craquer parce qu'on n'avance pas pour 10 000 raisons. Qui sont des fois un petit truc par rapport à ce qu'on avait enduré avant, en fait. C'est-à-dire qu'on attend presque à un moment ultime pour craquer, pour trouver la solution, alors que peut-être qu'il y avait quelques jours auparavant, on aurait pu faire quelque chose. Complètement. De toute façon, soit le vase, il déborde,
soit le matin quand on se lève, on a, ou dans la vie quand on arrive, on a une dose d'énergie certaine, la bouteille est remplie, puis au fil de la journée, elle se vide, elle se vide, elle se vide, elle se vide, et si on la remplit pas, si on n'a pas des outils pour rester là bien en forme, bah, elle se vide, puis après il n'y a plus rien, et là aussi on peut s'effondrer, quoi. Ouais. Des exemples d'outils que tu mentionnes dans ton livre ? Ah bah oui, alors j'en ai plein. Il y en a plein, vas-y, à fond. Mais oui, parce qu'ils sont tous, ils travaillent tous. Alors, ils sont à combiner au niveau physique, émotionnel et énergétique, donc vraiment sur toutes les dimensions de l'être. Et on peut les utiliser. En fait, j'ai voulu qu'ils soient ludiques, rapides et simples. Hein. Donc, il va y en avoir, par exemple, des outils de brain gym tout simples qui vont être des mouvements comme coupe, cook, où on se met dans une posture comme ça, où tous les méridiens sont en boucle, on est en circuit fermé, on est apaisé, on se retrouve. Aux États-Unis, je sais qu'il y a des enfants dans les écoles, enfin, ils utilisent ça beaucoup. Quand un enfant veut se bagarrer, on lui propose de se mettre plutôt donc, dans cette posture-là, de bien respirer. Pendant une minute, eh ben, il y a plus que 2 enfants sur 10 qui veulent encore se battre après, mais sinon c'est fini, ça fait tomber la pression. Donc je vais proposer ou des exercices très concrets, très, très pratiques, mais aussi des exercices plus d'alchimie avec des couleurs. Il y en a un qui s'appelle feuilleté de couleurs où on va s'entourer de couleurs. Je vais avoir des choses, là c'est le printemps. Alors là, donc, il y a un côté un peu visuel aussi, d'utiliser l'imagination, la créativité. Ah oui, tout à fait. Ça va être dans ce feuilleté de couleurs, par exemple, où je propose de s'envelopper dans l'inspire d'une couleur or au départ, après parme, bleu, puis la couleur de l'eau vive et de la terre. Enfin, il y a tout un petit processus qui est très simple. J'explique en fait pourquoi ça marche, comment ça marche très rapidement, parce que j'ai pas voulu que ce soit réservé à des gens qui connaissent déjà ce travail-là, mais que je puisse l'offrir, on puisse l'offrir à sa belle-mère, à sa belle-fille, à tout le monde. En fait. Hein. Et donc, oui. Tiens, copine, lis ça. T'as un problème en ce moment, tiens, hop. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ce que j'aime bien, bah, moi, c'est mon côté ludique, hein, c'est que j'avais toujours donc, cette trousse où on pouvait piocher les exercices. Donc, on peut se poser un objectif. C'est que ça, on peut l'utiliser de façon ponctuel, j'ai un problème, là, j'en peux plus, je suis fatiguée, faut que je rentre, j'ai un interview, qu'est-ce que je vais faire, où je suis énervée, hop, je vais piocher, ça peut être juste boire de l'eau, par exemple, il y en a un, ça s'appelle infusion précieuse, et c'est juste simplement boire de l'eau, mais c'est comme avec l'eau qu'on a de l'énergie, que toutes les connexions cérébrales se font, qu'on se détoxifie, que les vieilles mémoires, les toxines s'en vont, et tu me parlais tout à l'heure de on craquait parce qu'on réactive des peurs et des choses de l'enfance, de la familiale. On est vraiment souvent... on n'est pas tout seul, quoi. Et donc, je sais plus ce que je disais. Mais c'est tellement vrai parce que l'eau, par exemple, sur l'exemple de l'eau, je pensais que... Bon, c'est quelque chose, on sait tous qu'il faut boire de l'eau. Mais quand on est en plein craquage, on n'a pas beaucoup d'idées. Non. C'est-à-dire que la créativité, zut, il n'y en a pas. Je l'ai fait, ce livre. Parce que même moi, qui ai plein d'outils... Et en fait, c'est une amie psychologue et énergéticienne qui avait un problème un jour. Elle travaillait avec les fleurs de Bac. Elle avait même pas l'idée ressource pour elle de prendre une fleur de Bac. Ouais. Et je me dis, mais c'est vrai, ça, on est tous pareils, quoi. Typique. Voilà. Ouais, et oui. C'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai dit, bah, c'est utile, ça a sa place, parce que au début, j'avais pas d'idée pour ça. Ouais. Mais oui, boire de l'eau, ça change la vie de gens. J'ai des écoles, dans les formations que je fais auprès des écoles, ils me proposent juste de boire de l'eau, ils ont leurs résultats qui montent d'un tiers et les classes qui se calment. Alors, ils sont très étonnés et ils m'appellent me disant, mais c'est hyper simple. Je dis, oui, c'est simple. Ouais. Mais on ne le fait pas. Donc il y a des exercices simples, il y a des exercices plus techniques, hein, où on va travailler plus sur les méridiens, sur relancer, dynamiser l'énergie. J'ai mis des exercices de systémie familiale. Hein, il y en a un qui s'appelle... C'est quoi ça, systémie familiale ? Ah, c'est les liens familiaux, qu'en fait, on est tous dans une famille, qu'on le veuille ou pas, avec qui a des dons, mais des casseroles, comme je dis toujours. Et c'est un équilibre très très fin, très subtil, les familles. C'est comme un mobile d'enfant. Et puis donc parfois, il y a des choses difficiles dans les familles, où il y a des gens qui meurent trop tôt, où il y a des gens malades, voilà. Et on se retrouve finalement à faire comme eux. C'est-à-dire, par exemple, avoir un grand-père qui a la bosse des maths et du coup être très bon en maths parce que ça coule. Ou pas, parce que c'est pas encore ouvert, cette porte-là. Ou on peut avoir... L'autre jour, j'ai une dame qui vient qui avait peur des chiens.
Et ben on a vu que son arrière-arrière-grand-père s'était fait mordre par un chien, avait eu la gangrène, on lui avait amputé la jambe. Donc, ça, c'est lié, ça, comment on l'explique? C'est énergétique, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN, c'est à quel niveau que tout ça se transmet? Voilà, il y a plein de théories, donc chacun pense. Et la tienne. Et ben moi je pense que c'est quelque chose de génétique. En fait, dans le code génétique, je retrouve la mémoire en fait de la personne. Par exemple, là, le chien, moi je le savais pas, elle le savait pas, mais c'était inscrit parce que ça avait été vécu. Donc au niveau génétique, il y a beaucoup d'histoires de loyauté aussi et aussi de l'inconscient collectif. On n'est pas que sur la systémie, enfin du lien familial. Ça peut aller vraiment. On arrive tous dans une culture, dans une religion, dans quelque chose qui nous traverse, qui nous pénètre et que soit on subit, soit on en est riche et fort et on peut s'adosser en fait à d'où on vient. C'est ça, moi, dans mon travail de thérapie, c'est ça que je propose. Donc dans mon petit livre, j'en ai mis un petit que j'ai appelé Carpaccio d'ancêtres ou comment se libérer de son fardeau. C'est un rituel chamanique, là. C'est des recettes, hein, c'est vrai. Ça. Ouais, parce que ça, c'était pour m'amuser. Je l'ai proposé sous forme de recettes avec des noms un peu rigolos. Puis il y a le sous-titre très évocateur. Mais en fait, donc celui-là, c'est un rituel chamanique qui permet vraiment de se délester, d'aller jeter des roses, des pétales de fleurs dans une rivière. Enfin, voilà. Ça fonctionne. Moi, j'ai un seul critère dans les thérapies que je fais pour moi, mon travail aussi. Ça va loin, c'est quand même varié et tout, faut oser là. Critère, c'est quoi ? Eh ben, le critère, c'est le confort du quotidien. Ouais. Moi, j'aime bien être au quotidien. Et alors, que ce soit si j'ai fait un trop gros repas, que je dois aller travailler après, eh ben, je vais me faire 2-3 massages, 2-3 points pour relancer l'énergie, pour y aller. C'est d'être bien tout au long de la journée et de rentrer le soir avec plus d'énergie que si j'ai pas travaillé et de faire ma vie dans quelque chose d'agréable et de prendre ce temps. Et comme moi, je n'ai pas le temps d'aller faire 1 heure de yoga par semaine tout le temps, ou quand je voyage, c'est compliqué, je me suis fait un programme que j'ai voulu transmettre de sport, de petits mouvements, par exemple au printemps, en été, en hiver, en fonction des saisons, que je peux faire rapidement le matin. Les exercices, ils durent 2 minutes. Donc moi, je prends 2 minutes si j'ai besoin entre 2 patients ou un, je le fais. Ça, je peux. Ça n'empêche pas que je vais faire du yoga ou que voilà. Ouais. Pour passer de l'hiver, parce qu'il y a cet aspect saison aussi, pour passer de l'hiver au printemps, par exemple, quels sont les exercices Alors là, maintenant, on rentre dans... On se prépare, c'est ça? On prépare notre corps, notre mental à une nouvelle saison? Ou c'est ça se fait automatiquement pour la plupart d'entre nous? Ouais, bah, c'est là où on craque. Moi, en ville, qui vis en ce moment en ville, ça se fait pas automatiquement. En plus, il fait chaud, il fait froid, donc le feu monte, puis descend, et du coup, faut tenir quand même, faut tenir le cap, et puis le printemps, il y a l'ébullition des projets, on est en tous sens, donc il faut quand même se recentrer. Donc moi, je fais au fil des saisons. Alors là, on sort de l'hiver, effectivement, on va rentrer dans, c'est le moment de la détoxification physique, émotionnelle, spirituelle, tout ce que tu veux. Donc on peut ranger chez soi, trier les relations qu'on a, on peut aussi drainer le foie, et au niveau des activités physiques, là, il faut faire des choses très toniques où on transpire un petit peu. C'est vraiment le moment. En fait, le printemps et l'automne, c'est les seules périodes où on peut faire des régimes, pour ceux qui veulent faire des régimes. Mais en tout cas, c'est le moment où il faut transpirer. Donc, il faut transpirer, il faut manger des choses pétillantes, il faut pétiller, il faut boire du champagne ou de la limonade. Et c'est vraiment ce moment où il faut me faire monter, il faut accompagner ce mouvement de la montée de l'énergie. Et si on suit le rythme de l'année, là, ça va, on est bien. Mais si on ne le fait pas, on peut avoir des grosses chutes. Puis en plus, c'est vrai qu'avec ce temps qui change, là, il a fait super chaud, pouf, ça va redescendre. Ouais. Ça peut user beaucoup. Ouais. D'autres petits derniers conseils par rapport à ce délicieux petit livre? Si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment que chacun, et c'est pour ça que je crée ça, prennent 5 minutes dans une journée, une fois ou deux, pour s'occuper de soi. Ça peut être d'aller boire un thé avec une copine, c'est pas forcément de faire un mouvement ou un exercice, mais de prendre un temps et de se poser et de dire, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me fait chaud au cœur? Qu'est-ce qui me fait sourire dans la vie? C'est vraiment pour moi
le plus important. Je dirais que moi, j'ai écrit ça parce que j'ai voulu transmettre des outils que je connais. Après, l'idée, c'est de coopérer avec soi, de coopérer avec la vie et d'être en mouvement. Donc, chacun doit trouver sa solution. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être... Surtout de pas s'oublier. Ouais, voilà. C'est mon message et c'est ça que je dis. Après, on peut faire des choses plus en profondeur, plus grandes. Plus... Moi, je travaille beaucoup avec les sons harmoniques de la voix aussi, qui sont mon grand sujet de prédilection, et où quand je travaille avec ça, je suis complètement revigorée, énergétisée, mais c'est un travail de fond. J'ai un stage tous les ans et puis par trimestre, c'est dans le ponctuel, dans le quotidien. Vraiment, retrouvons le confort, la boussole, notre cap, pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire comme on a envie de le dire, quoi, et de vivre ce qu'on veut vivre, et puis de s'aménager les transitions entre sa vie, le quotidien, la vie de famille, la vie de couple, la vie avec les parents aussi, hein, comment je me positionne, comment je me situe, comment je me sens. Et d'avoir sa place à tout moment, quelles que soient les circonstances, et d'être, pas au contrôle, mais d'être là, présente, connectée à soi. Voilà, de la sentir, de la chercher, de l'explorer, de se tromper, de la réajuster. Vraiment, de la réajuster. Et puis surtout, quand ça va pas, qu'on se dit, oh là là, là tout est fini, tout est perdu. Voilà. On voit pas, parce qu'on est, complètement là, on a les ornières, c'est juste, hop, ok, je peux juste tourner la tête et... voir une autre direction et l'apprendre et trouver de nouvelles solutions. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'exercices qui font travailler le cerveau aussi en lien avec les dimensions du cerveau, droite, gauche, avant, arrière, pour libérer même des traumatismes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser aussi, je ne l'ai pas fait pour ça, mais en travail de fond. J'ai beaucoup de psychologues qui me font des retours, qui me disent « je suis très content d'avoir des outils concrets ». Qui libère. Et c'est dans l'air du temps de, je trouve maintenant, il faut partager, il faut, même avec des collègues ou soi-disant des collègues thérapeutes qu'on pourrait voir dans une autre dimension comme quelque chose, non, c'est des concurrents, il faut pas partager les outils parce que voilà, et en fait, c'est plus la dynamique maintenant, il faut qu'on rentre dans une dynamique de partage et de se donner justement les trucs qui fonctionnent pour les uns et les autres. C'est vraiment transversal, quelque chose de, moi je trouve, de complémentaire. J'ai fait une psychanalyse pendant 10 ans, le jour où j'ai rencontré le travail corporel, alors moi à travers la kinésiologie, mais ma vie a changé et j'ai continué les deux en parallèle. Et je dis toujours que ça se complète. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en psychanalyse qui viennent me voir et c'est merveilleux parce que ça se renourrit. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas faire ça. Par contre, je sais accompagner les gens dans un mouvement et au niveau énergétique et de libérer, d'ouvrir les portes. Voilà. Les gens qui veulent passer un peu plus de temps avec toi, ça se fait ça? Tu as des séances comme ça où on peut se retrouver en ta compagnie? Parce que je suis sûre qu'il y a des femmes qui regardent là qui se disent « Oh, j'aimerais bien la rencontrer, moi aussi, Sophie !» Des hommes aussi, j'ai beaucoup d'hommes. Ouais, je suis très contente d'avoir des hommes. Ah ben, je consulte alors à Paris, à la Fabrique à Bonheur dans le 17e et dans le 11e au Jardin des Émotions. Et je travaille, j'ai fait un stage tous les ans au printemps. Alors, je le garde là au Mas de Maistre, près de Montpellier, avec une collègue qui est chorégraphe, où on travaille sur coopérer avec la vie, mettre en route ses projets, trouver des solutions pour soi. Et on travaille avec les sons harmoniques là, et c'est un stage que j'aime beaucoup, ça. Vraiment très, très pour se ressourcer, avancer, libérer pour soi et sa famille, parce qu'on amène tout le monde en pensée. Et sinon, je travaille. En pensée, oui. Ah ouais, non, mais. C'est pas toujours pratique d'emmener le chéri s'il n'est pas tout à fait ouvert. C'est l'avantage des sons, c'est que c'est vibratoire, on l'utilise beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup pour le travail des deuils, justement. Ah bah oui, et le travail systémique de famille, mais en fait, j'ai qu'une personne, ou pour purifier les lieux. C'est vraiment un outil que tu dois connaître, mais qui est vraiment merveilleux, parce que c'est un peu. Enfin bon, voilà. On en parle beaucoup, oui, aux États-Unis. J'ai fait énormément d'interviews sur ces sujets-là, moins en France, malheureusement, mais tu vois. Mais je sais qu'on est. On n'est pas beaucoup, mais il y en a quand même certains qui commencent à les utiliser. Très puissant. C'est un vrai soutien. Moi, tous les mois, on fait un groupe, nous, de sons pour être en forme et tenir, parce que le son, même quand il vibre plus, il est là et on est soutenu. Donc, on ne se casse pas la figure. Ça, c'est vraiment un travail de fond. Donc, voilà. Et on peut me trouver dans les écoles, dans les crèches, dans tous les endroits. Les écoles aussi peuvent t'appeler. Ouais. Ah oui, parce que moi je transmets aux enseignants tous les outils de Brain Gym là. Alors pour le coup de comment fonctionne le cerveau et des outils très pratico-pratiques sur comment on gère une classe et comment on accueille les sentiments pénibles des enfants et des parents.
Hein. Je travaille beaucoup aussi avec les parents où je leur transmets des habiletés. Ça, c'est plus la technique de Faber et Maslisch, de comment s'adresser à l'autre, comment communiquer, comment retrouver le lien de cœur, de créativité et moins se fatiguer. Donc j'aime beaucoup ça. Voilà, donc on peut me retrouver sur mon site hein, internet sophiegracie.fr et il y a à peu près tout expliqué. Hein. Merci beaucoup Sophie. Et merci Lilou. Et plein de gros bisous à vous mes délicieux co-créateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la partager. Et puis on vous embrasse. Écoutez, j'espère que vous passez une merveilleuse journée, que vous allez aller au-delà du craquage. Attends, réagissez avant de craquer. Gros bisous.